Je vous avais annoncé que vous alliez halluciner grâce aux champignons lumineux, les glowing mushrooms. Cette semaine, après un premier exercice sur une approche simple de prise de vue de champignons, je vous propose donc de travailler sur une image plus complexe en réalisant une photo de champignons lumineux. Il s'agit aujourd'hui de photographier un champignon pour obtenir un effet de lumière semblant provenir du chapeau du champignon. Un peu comme si le chapeau du champignon était une sorte de lampadaire. On parle de champignons lumineux, également appelés en anglais « glowing mushrooms ». Il existe plusieurs manières d'obtenir ce résultat. On peut notamment le tenter avec une seule photo, en peignant le sujet avec une lampe comme un pinceau à lumière, c'est la technique du light painting. Mais ici, je vous propose de réaliser ce champignon lumineux en faisant un montage entre plusieurs images. Je vais vous montrer avec deux logiciels que sont Lightroom et Photoshop, mais même si les outils sont différents, la méthode reste la même si vous utilisez d'autres logiciels de traitement d'image comme Lightroom ou des logiciels de retouche et de montage photo comme Photoshop. On va voir maintenant donc comment participer à cet exercice photo. Les règles sont les mêmes que d'habitude, mais depuis une semaine, la nouvelle version du site formationphotographe.net est en ligne et les contributions sont désormais à poster directement en commentaire dans le forum du groupe des exercices photo YouTube sur mon site formation-photographe.net. Donc sur le site en question, j'ai créé une discussion spécifique pour cet exercice et je vous ajoute un lien ici, dans la petite bulle et en description de la vidéo pour que vous puissiez poster vos contributions. Donc les règles, comme d'habitude, en 1, inscrivez-vous sur le site et partagez cet exercice avec vos amis, c'est important. En 2, postez une photo et une seule sur le forum du groupe des exercices photo YouTube, le petit lien. Et en 3, légendez votre photo comme indiqué dans le groupe. Je vous ai fait une petite explication en haut du groupe pour que vous sachiez comment faire. En postant bien une photo et une seule avec sa légende. Alors une photo, pas plus, mais vous pouvez ajouter une photo du making-of ou une photo de vous pendant la prise de vue. Voilà, je trouve toujours sympa d'avoir un petit retour de comment ça s'est passé et puis de vous voir aussi. J'apporterai un commentaire aux photos de tous ceux qui auront partagé l'exercice et posté leur image sur le forum de l'exercice, donc sur le site. Les contributions seront ensuite publiées dans la prochaine vidéo de restitution, la semaine prochaine. Donc abonnez-vous à la chaîne aussi pour ne rien rater. Deux points à rappeler suite à la mise en service du forum donc sur FPNet. D'abord, précisez si vous avez rencontré des difficultés ou pas sur votre prise de vue pour que je puisse vous apporter un commentaire qui soit constructif. Et deuxième point qui est important aussi, vous avez été nombreux à recevoir trop de mails. C'est un peu le forum est victime de son succès. Donc attention, si vous vous abonnez au forum ou si vous vous abonnez à la discussion, vous recevrez un mail à chaque nouveau post. Et ça peut vite être envahissant. Donc si c'est le cas, désabonnez-vous du forum des exercices photo et de la discussion des exercices. Vous recevrez toujours une notification sur votre profil sur le site, une petite pastille rouge, mais vous ne recevrez plus un mail à chaque post de l'exercice. Et vu qu'on est très nombreux à poster, c'est vrai que ça fait vite beaucoup de mails. Donc là, vous serez obligé d'aller sur le site par contre pour voir vos notifs. Mais c'est mieux. Maintenant, on va voir le matériel pour photographier des champignons. Alors, il peut être utile de prévoir quelques éléments supplémentaires par rapport à la prise de vue de champignons de base qu'on avait vu la semaine dernière. Donc, comme précédemment, on part toujours sur un boîtier réflexe ou hybride pour pouvoir débrayer les automatismes, un objectif macro pour se rapprocher du sujet, mais aussi pour réduire l'angle de champ et isoler le sujet du fond, ou un 50 mm à grande ouverture si vous êtes en APS-C, ou même un objectif grand angle pour élargir le champ et placer le sujet dans son environnement. Ça, ça ne change pas. Le trépied, indispensable. Là, vous ne vous en passerez pas parce qu'on va devoir faire un montage, il ne faut pas que ça bouge. Donc, un trépied ou mini trépied, caler votre appareil photo au sol si vous voulez, mais il faut absolument que vous ayez quelque chose qui vous immobilise, pas qui stabilise, qui immobilise complètement l'appareil photo. Mais en plus, cette semaine, il vous faudra impérativement une source de lumière. Donc, lampe de poche ou lumière de smartphone si vous voulez, mais il faut absolument que vous ayez une source de lumière pour pouvoir éclairer votre champignon. On va maintenant aborder les réglages à utiliser pour photographier les champignons. Si vous débutez ou si vous n'avez pas encore les notions de base sur les réglages de votre appareil photo, je vous invite à suivre le cours sur les principaux réglages en photographie qui se trouve sur mon site FPNet, formationphotographe.net. Je vous ajoute un lien dans la petite bulle et dans la description de la vidéo. Donc commencez par là si vraiment vous n'avez aucune notion sur les réglages. Je ne reviens pas dans le détail sur les réglages de base que nous avons déjà vus dans la vidéo précédente. Si vous n'avez pas suivi l'exercice de la semaine dernière, là aussi, je vous remets un petit lien ici et je vous remets un petit lien aussi dans la description de la vidéo pour que vous puissiez commencer par vous familiariser avec cette prise de vue de base de champignons. Ça, c'est important.
Pour ce qui est de la prise de vue d'aujourd'hui, donc la prise de vue va consister à immobiliser l'appareil photo sur trépied et à bloquer les réglages de sensibilité ISO, de vitesse d'obturation et d'ouverture de diaphragme en utilisant le programme d'exposition manuel, donc trépied, mode manuel. Le but étant de faire plusieurs images d'une même scène sur laquelle on fera varier la lumière sans que rien ne change sur le décor, donc il n'y a rien qui bouge. L'appareil photo et le champignon, ça ne bouge pas. Ces images seront ensuite assemblées dans Photoshop et donc rien ne doit bouger entre chaque photo pour éviter les flous de mouvement du champignon et pour éviter les flous de bouger de l'appareil photo. Donc je vous recommande aussi d'utiliser une télécommande ou un déclencheur à distance pour pouvoir déclencher votre appareil photo, utilisez l'appli de votre téléphone. Si vous êtes à l'aise avec la prise de vue et le post-traitement, vous pouvez aussi faire un mix entre autant de photos que vous souhaitez. Je vais vous montrer ici comment faire ce montage de champignons lumineux avec 3 images, mais si vous débutez, je vous recommande plutôt de commencer avec 2 pour avoir un montage un peu plus simple. Ici donc j'ai pris 3 images, la première pour poser la lumière d'ambiance, une deuxième pour donner la sensation que le champignon éclaire le sol, et une troisième pour éclairer le chapeau du champignon. La première image, c'est celle qui va servir d'image de fond. A noter que contrairement à la prise de vue de la semaine dernière où il pouvait être intéressant d'avoir un arrière-plan lumineux ou un rayon de lumière sur le chapeau pouvait mettre en valeur le champignon, ici on va plutôt chercher à laisser le champignon dans une semi-pénombre et aussi d'avoir un arrière-plan qui soit sombre pour que le champignon puisse ensuite bien se détacher du fond quand on va l'éclairer. La luminosité étant homogène, sur cette image j'ai d'abord fait une sorte de nuit américaine en sous-exposant ma scène de 2 valeurs pour obtenir une image plus sombre. Ça permet de réaliser une prise de vue de jour en donnant la sensation que la scène a été photographiée de nuit. Ça, c'est pour la première image. Donc. La seconde image, elle n'est pas obligatoire, mais j'ai voulu donner la sensation que la lumière qui provenait du champignon éclairait le sol. J'ai donc éclairé le sol au pied du champignon avec la lumière d'une lampe frontale, peu importe après que le dessus du champignon soit cramé, puisqu'on va le travailler sur une dernière image. Cette dernière image, donc, elle consiste à éclairer le dessous du champignon par transparence. On ne va pas éclairer directement le dessous. C'est là que le choix du champignon revêt toute son importance. Si vous avez un champignon avec un chapeau trop épais, la lumière de la lampe ne pourra pas le traverser et vous ne pourrez pas obtenir l'effet escompté, cet effet de transparence à travers le champignon. C'est assez difficile d'avoir un effet qui soit parfait. Aussi, n'hésitez pas à faire plusieurs tentatives. Au final, vous conserverez que les 1-2 photos dont vous avez vraiment besoin, mais n'hésitez pas à faire plusieurs tests avec votre lampe pour avoir un éclairage qui corresponde à ce que vous voulez. On va maintenant passer au montage des images de notre champignon lumineux. La première étape, qui n'est pas indispensable, consiste à importer ces images dans Lightroom. L'intérêt, c'est pour les maniaques du rangement comme moi, d'avoir tout bien organisé, tout bien rangé au même endroit. Donc là, vous avez vos images qui sont bien rangées. Et vous allez voir que ça va être aussi utile par la suite. Ensuite, on va sélectionner les images à assembler. Donc je vais sélectionner mes 3 photos. Et on va cliquer sur Photo, Modifier dans, et Ouvrir en tant que calque dans Photoshop. Les images vont s'ouvrir dans un fichier et chacune formera déjà un calque. Vous voyez qu'ici, j'ai mes 3 images qui sont chacune apparues dans un calque. Vous allez sélectionner vos calques. On va sélectionner les 3 calques ici. Tac, tac. Et les aligner en utilisant la fonction édition. Alignement automatique des calques. Et on va laisser la projection en automatique. On clique sur OK et il va nous aligner les calques au cas où il y aurait des petits décalages entre chaque image. On va ensuite placer le calque de la lumière de fond sur le dessus, ce qui est le cas. Ensuite, en dessous, on va avoir le calque où on a la lumière qui va être au sol. Et en dernier, la lumière qui sert à éclairer le dessous du champignon par transparence. Où là, j'ai mis la lampe par-dessus pour pouvoir éclairer par transparence mon champignon. Donc pour pouvoir faire apparaître le calque du dessous, je vais gommer ce premier calque pour faire apparaître le calque qui est en dessous. Pour ça, je vais utiliser cet outil qui est ici, enfin cette fonction qui est ajouter un masque de fusion. Donc j'ajoute un masque de fusion. Et le principe du masque de fusion, c'est de prendre un pinceau. Donc je prends l'outil pinceau et je vais aller peindre en noir pour faire disparaître le calque du dessus et faire apparaître le calque du dessous. Donc là, je vais augmenter la taille de mon pinceau. On va le mettre. Je vous le fais grossièrement pour vous montrer, mais vous pouvez le faire un peu plus finement en prenant le temps. Donc,
on va diminuer un petit peu le flux et l'opacité pour y aller par petites touches. Et vous voyez que je fais apparaître délicatement. Alors, ce que je peux faire, c'est décocher mon calque du dessus pour voir à peu près où je vais devoir travailler. Donc, je vais essayer de travailler sur toute cette zone-là pour faire apparaître ce qui est en dessous. Donc, on voit bien que c'est par ici que je vais devoir travailler. J'y vais doucement ici parce que en dessous, c'était déjà un petit peu cramé. Donc, si je le fais d'apparaître complètement, je vais le cramer. Voilà, une fois que j'ai à peu près ma zone qui est délimitée, je peux monter un petit peu mon opacité et mon flux pour travailler un petit peu plus à la louche. Ah, vous voyez qu'il y avait un petit décalage, c'est pas tout à fait parfait en dessous. Ah ah, c'était pas parfait. Voilà, on fait apparaître la lumière du dessous. Ici, c'est presque un peu trop, donc hop, je repasse en blanc et je vais peindre en blanc. Ah, un peu trop. Je vais refaire un petit peu de noir, voilà, pour pouvoir équilibrer en fait mon calque du dessus et mon calque du dessous. Voilà, équilibrer un petit peu les deux. Maintenant qu'on a travaillé sur nos deux premiers calques, on va devoir faire apparaître la lumière sous le chapeau du champignon. Alors, plusieurs méthodes. Moi, ce que je fais, c'est que je sélectionne mes deux calques, je les intègre dans un dossier. Donc, je crée un dossier, enfin, un groupe, pardon. L'icône est un petit dossier, mais c'est un groupe. Et du coup, mes deux calques sont intégrés dans ce groupe. Et pour pouvoir effacer les deux calques ensemble, je vais créer un nouveau masque de fusion sur le groupe. Et donc, quand je vais effacer sur l'ensemble du groupe de manière à faire apparaître ce qui se trouve en dessous. Alors ici, on va travailler sur le chapeau, donc j'agrandis un petit peu. Je prends un pinceau qui est adapté en taille à ce que je veux faire. Je repars sur une opacité de 50%. J'aime bien travailler par petites touches. L'idée, c'est pas d'y aller directement comme un bourrin, c'est de travailler avec un pinceau qui va nous obliger à faire plusieurs passes de manière à ce qu'on ait quelque chose d'assez doux, d'assez diffus et que ce soit pas trop tranché. Vous voyez, si je prends un pinceau que je mets à 100% d'opacité, à 100% de flux, et on va forcer le trait avec un bord très net, vous voyez que quand je vais passer mon pinceau, ça va faire quelque chose de trop visible. Donc, je reviens en arrière et avec un pinceau plus doux et une opacité à 50% et un flux à 50%. Et là, on va pouvoir travailler tout en douceur. C'est presque un peu trop encore, 50%. Donc, je vais passer à 25 et à 25. Oups. 25. Et là, on va y aller tout doucement par petites touches pour pouvoir faire apparaître notre dessous de champignon. Si jamais je déborde, vous voyez, je déborde volontairement ici, j'inverse mon noir et mon blanc et je repeins avec du blanc pour enlever la partie que j'avais gommée, enfin pour rétablir, pardon, la partie que j'avais gommée. Et ainsi de suite. Voilà, vous avez compris le principe. Ensuite, on monte un petit peu sa transparence pour travailler d'une manière beaucoup plus... On fait les contours, en fait, avec quelque chose d'assez doux. Puis là où on veut que vraiment la transparence soit à 100%, on va pouvoir travailler plus franchement à l'intérieur. Mais attention de ne pas trop déborder, parce que sinon, vous voyez, ça se voit vite. Ça peut faire des choses assez violentes. Donc, à nouveau, on reprend le blanc et on peint avec du blanc. Et on revient un petit peu en arrière sur ce qu'on a fait. L'intérêt de cette méthode-là, c'est que vous gardez vos masques de fusion, vous gardez la possibilité de reprendre votre image par la suite et de rectifier un petit peu la transparence de chaque calque et le travail que vous avez fait sur chaque calque. Donc, il n'y a rien de définitif, tout va être gardé, ça va vous faire un gros fichier et vous allez pouvoir retravailler là-dessus. Au final, donc, on a notre image de départ qui nous permet d'avoir notre lumière de fond. On a une deuxième image qui nous permet d'éclairer le pied du champignon. Une troisième image qui nous sert à éclairer l'intérieur du champignon par rétroéclairage. Et on a un montage donc, qui regroupe l'ensemble de ces différentes photos avec un fond qui reste sombre, le pied du champignon qui est éclairé par ce qui semble être la lumière provenant du champignon.
Voilà, maintenant c'est à vous de jouer. Prenez votre appareil photo et votre trépied aussi pour aller photographier des champignons lumineux avec votre petite lampe de poche, votre lampe frontale ou votre lumière de téléphone. Pensez à partager cette vidéo avec vos amis et les inviter à aussi à participer à l'exercice. Je vous souhaite une bonne semaine, de bonnes photos et je vous dis à tout de suite pour échanger sur le site formationphotographe.net dans le groupe des exercices photo YouTube. Petit lien par ici. Bonne semaine et bonnes photos.